marche, bien droit sans dire un mot. C'est la moindre affaire qu'il me défend, moi je tire. C'est intenable. Mais oui, c'est vraiment très angoissant, cette situation. Si je pouvais rejoindre le capitaine Bérubé quelque part, il n'y a que lui qui pourrait sans danger me conseiller et s'occuper de cette affaire-là. Dans quel monde vivons-nous, décidément? On ne peut pas dire que ça facilite la vie de famille. Mais vous êtes tout à fait sûr, docteur, qu'il s'agissait bien de la voix de Bertrand? Aucun doute, garde, aucun doute, croyez-le bien. La façon boiteuse dont tout ça vient d'arriver... Il pourrait y avoir un moyen de mettre la main sur ces gens-là. Si le capitaine peut donc me rappeler. Mais vous n'avez aucun indice? Si. Un. Vous savez, le jeune garçon qui est venu hier? Oui. Eh bien, Tibé m'a raconté qu'il avait peur d'un sale type qui est sorti de prison et qui le menaçait. Mm-hmm. Il y a sûrement un rapprochement entre ces deux faits-là. Vous ne croyez pas, docteur, qu'il faudrait plutôt... appeler, je sais pas, la police de votre quartier ou de celui de la rue des Pignons, étant donné qu'on ne rejoint pas le capitaine Bérubé? Oh, non. Ce serait trop dangereux, garde. S'il fallait que tout ça se termine par la mort de Tibé, ce serait épouvantable. Sa mère aurait pas fini de me dire que c'est moi qui l'ai tué. Oh, mettez-vous à ma place. On n'a qu'à lire les faits divers pour se rendre compte que de nos jours, on assomme les gens pour très peu de choses. Oh non, vraiment, je ne veux pas agir de mon propre chef. Tibé! Attention, capitaine, il est armé! Tes mains en l'air, les promus! Regarde ça, Tibé! Ça va? Tu vois pas que c'était un jouet? Je vais appeler la police du quartier. Il y a une boîte téléphonique au coin. Va appeler ton grand-père pour pas qu'il s'inquiète. Hein? OK, capitaine. Hey, Safia, c'est 60. Donne-moi le change. Ouais, là. Rien que du gaz? Oui. Le bloc le change. Oh, mon Dieu, qu'il fait frais, t'ayons, on gèle de voir servir le monde. Ah, bon, là, ça, il donne 10 cents de type. Hein. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec 10 cents de nos jours? Moi, je suis bien fatigué, puis j'ai pas chaud. Ça fait bien proche 3 mois que t'es sur le camp, hein, M. Boutin. Mal ici, mal là. Des fois, je me demande si tu fais pas exprès. Hey, doudou, charlie pas, hein. Moi, je ferais exprès pour avoir mal au rein, pour avoir la grippe, pour avoir le rhume, juste pour le fun. Juste pour le plaisir de rester tout seul à l'appartement, tandis que Madame flirte et cède avec les clients. C'était un mauvais hiver pour moi, ça peut arriver à tout le monde. J'ai plus 20 ans. Depuis mon infection à vessie que je prends un mal après l'autre. S'il y a quelqu'un qui en souffre, c'est bien moi plutôt que toi. Ben moi, j'ai pas fait mon cours de garde malade. Frotte-cite, donne des pelules, puis après ça, je fais tout. Pelle la neige, sors les déchets. C'est moi, baby ici, qui fait tout. Pendant ce temps-là, le monsieur, il est enroulé dans ses couvertes. Et je te dis qu'une chance que l'année de la femme est finie, parce que je leur en ferai toute une conférence, moi, sur les plaisirs du mariage. Je te dis que j'étais bien mieux quand j'étais rien que ton employé. Oh, ben quant à ça, je peux bien dire que j'étais bien mieux moi aussi quand j'étais rien que ton patron, parce qu'à cette heure, c'est toi qui mène tout ici dedans. Avant, j'avais jamais vu ça, moi, une femme d'un garage. T'as chacun sa place, bon Dieu. Ben, moi, te faire plaisir, M. Boutin, m'a te laissé tout seul dans ton beau garage, puis m'aller faire un tour chez Pépine, ben non, chez Sofrida. Ça va me changer les idées. Hey, tu vas pas encore me laisser tout seul, hein? Parce que j'aime autant dire que je vais aller te chercher n'importe où c'est que tu seras en fermant le garage. Mais tu peux faire ce que tu voudras, ça me dérange pas.
Mais comme j'aime pas ça te faire courir, j'aime autant te dire que je vais être chez Sofrida. Ah, puis bien sûr, là, tu vas prendre l'auto, là, puis moi, ben... J'ai pas besoin de char pour sortir. Moi, je suis capable de marcher, je tombe pas en morceaux. Dire qu'il y a des hommes qui sont soignés aux petits oignons quand ils sont malades. Ben, moi, il est malade. Puis les oignons, ça me fait broyer. Fait que j'aime autant pas trop les voir de près. OK? Bye! Ben, oh, ouais, vas-y, il y a un client! Mon grand-père nous attend chez lui dès que nous pourrons. Il tient à vous voir. Parfait. Eh bien, voilà une bonne chose de faite, Tibet. Comme ça, monsieur voulait obtenir une rançon. Voyez-vous ça? On a de l'ambition, mon Alphonse. Je vois que le séjour à Berthelet n'a pas été trop profitable. T'en voulais un peu plus. D'ailleurs, tu sais très bien que tu ne devrais pas être en liberté en ce moment. Et que c'est par erreur que j'ai le plaisir de te rencontrer à nouveau. Drôle de destin, hein? Te voilà encore entre mes pattes. Et maintenant, Tibet, tu vas m'expliquer comment cette histoire-là a pu arriver. Ben, je savais par flagrance avec qui j'ai parlé aujourd'hui que tu étais en convalescence. Oui, j'étais chez mon grand-père. Et Alphonse l'a appris par la petite Dufresne qui a dû lui dire aussi que mon grand-père avait l'air riche. Vous rendez-vous compte, capitaine? Ces salauds-là voulaient demander 25 000 piastres à mon grand-père pour qu'il prenne ma liberté. Puis par-dessus le marché, il a fallu que ce soit moi qui appelle pour demander la rançon à mon grand-père. C'est curieux, un moment plus tôt, j'ai appelé chez le docteur Gros, puis on m'a dit que t'étais justement sur la rue des Pignons, à ton domicile. Ben, comme j'étais dans les parages, je venais pour te dire ce que j'avais appris au sujet de ce coco-là. Eh bien, dans son cas, il y a eu un mélange de dossiers, et c'est un autre qui aurait dû trouver la clé des champs. Pour Alphonse, ce qui était en suspens, c'est le fait qu'on devait le transférer, on ne sait pas encore où, parce qu'il a eu 18 ans il y a deux semaines. Il n'est donc plus sous la juridiction de la Cour du Béret social. Alors comme ça, Alphonse, dans ta petite tête, t'as organisé un kidnapping de 25 000 piastres. Oui, puis avec ça, je serais allé loin. On n'aurait pas retrouvé avant longtemps. Ben, c'est un peu le contraire qui est arrivé. T'as même pas eu le temps de te rendre au coin de la rue. Ah, c'est la mode des enlèvements, mais tu sais, c'est pas mal compliqué à monter. Il y a plein de détails qui doivent être négligés. Disons que t'as fait les choses un peu vite. Tu feras mieux la prochaine fois, je suppose. L'ennui, vois-tu, c'est que les films donnent des recettes un peu superficielles pour ce genre d'entreprise. Oh, à propos, la voiture avec laquelle tes copains se sont si gentiment sauvés en te plantant là, elle est volée. En tout cas, ils n'iront pas bien loin. Tiens, voilà la police. Mon pauvre chéri, mais quand as-tu trouvé le temps de m'envoyer toutes ces belles fleurs? J'avais pris de l'avance en quittant l'hôpital avant d'aller souper. Elle est belle, notre petite Geneviève, hein? Elle est toute ronde. Une vraie poupée. La plus jolie de toute la pouponnière. Puis donc, toi qui voulais un troisième garçon... Oh, tu sais, quand je disais ça, je me conditionnais. Au cas où on aurait eu un autre petit mâle. Oh, je l'aurais aimé autant. Mais maintenant que je sais qu'on a vraiment une petite fille, je suis folle de joie. D'ailleurs, le fait d'avoir une fille, ça m'intimide. Quoi? Ce petit bout de chou-là, t'intimide? Ouais. Quand je pense qu'elle va devenir une vraie femme, avec toutes ses qualités puis tous ses défauts féminins, si je m'en refais à moi, j'ai l'impression que ça va être plus difficile à élever qu'un garçon. Mmh. T'inquiète pas. Celle-là, je m'en charge. J'ai pas connu le début de vie des deux gars. Pour moi, c'est nouveau. J'ai pas de me retrouver devant un être si petit, si fragile. Ça m'attendrait. Non, je me dis que je vais la veiller, la surveiller, la protéger. Tu sais, c'est la première fois que je vois naître un enfant. J'en avais le souffle coupé. Je pense que de toute ma vie, c'est la chose la plus extraordinaire que j'ai vue. Tu vois, toi qui avais peur d'assister à l'accouchement. Faut que tu me comprennes. J'avais tellement peur de te voir souffrir. C'est pas si loin le temps où j'ai failli te perdre. J'attendais de savoir si tu vivrais. J'avais tous ces souvenirs-là dans mon cœur. Non, bien sûr, maintenant, je regrette rien. Mais vous êtes tellement fortes, vous autres, les femmes. Hein? Oui, entrez. Encore des belles fleurs pour vous, Madame Milo. Ah, oh, elles sont belles. Merci, gars. Merci. Tous nos vœux aux parents,
et à la petite fille avec la profonde reconnaissance de tous les désirs. Oh, Germain, il était tout ému quand il m'a vu quitter le bureau à toute vitesse. Lina aussi, elle ne sait plus quoi faire pour nous faire plaisir depuis qu'on s'est retrouvés. Tu sais, t'as bien fait de pardonner. Oh, t'as pas tellement de mérite à faire des choses comme celle-là, quand ça rapporte autant de satisfaction. Mais chaque matin, quand je vois arriver Germain au bureau, on discute en travail avec lui, et je me dis que j'avais qu'un mot à dire, puis cet homme-là était fini. Et au lieu de ça, ben, il est là, il est utile, efficace. Et bientôt, il se sentira heureux comme avant. Et du coup, moi, je me sens heureux, puis ça m'enlève tout mérite. Ouf! Des fois, là, j'aurais envie de me retrouver dans ma petite chambre chez le père. Et le pire, c'est quand on se retrouve tous les deux tout seuls dans notre petite trois pièces, là, que je vais le voir traîner ses pantoufles, là, en se tenant le cou, la tête, ben en cuisse, alouette. Que je l'entende sa voix plaignarde de me demander de le frotter, ben non, de le plaindre, c'est bien simple, ça, Frida, je le sacrerai par la fenêtre. Puis le pire, là, c'est que quand vient le temps d'aller se reposer, là, de se coucher, ben là, madame, il lâche tout les liniments, tout les remèdes, puis toute la patente, puis sauter sur moi. OK, c'est bien clair, j'ai compris, tu peux plus l'endurer. C'est ça, c'est bien simple. Qu'est-ce que tu vas faire? Je le sais pas. J'ai essayé d'en parler à l'abbé, mais quand il me voit, on dirait qu'il devine. Il se sauve à l'autre bout du garage, là, il me fuit comme si j'étais le diable. On dirait jamais qu'il a été mon ami. Je serais sur le point de me noyer, là, il me tendrait même pas le petit doigt. Qu'est-ce que tu veux qu'il te dise? Ce qu'il avait à te dire, il te l'a tout dit avant, comme moi. À cette heure, il sait bien qu'il n'y a plus rien à faire. Mais dis-moi pas ça, Sofrida, c'est assez pour que je me jette en bas du pont, moi. Mais mon doux, pourquoi est-ce que les gens là, se sortent d'un pétrin pour se jeter dans un autre pétrin? Ben moi, c'est bien simple, j'appelle ça de la paresse du cerveau. Oh, ben de la paresse, moi, j'en barouette un coup dans une journée, OK? Non, 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 j'ai dit de la paresse de la cervelle. Et petit bout de petite folle. T'es intelligente, Doudou, oui, t'es intelligente. Mais ça t'a pas empêché de te jeter dans une aventure de fou, là, puis d'entraîner en même temps ce pauvre imbécile de boutin. Bon, plaignez-les pas trop. Il a eu ce qu'il voulait pendant un bout de temps, en tout cas. Même que depuis que je suis mariée avec lui, j'ai organisé le plus beau garage du bout. Le monde vient de chez nous, là, juste pour être dans une belle place, là, puis pour être servi pour, par quelqu'un d'avenant. Mais que je parte aujourd'hui pour demain, vous allez voir, ça sera plus pareil. Mais ma grand foi du bon Dieu, tu deviens méchante, Doudou. Non seulement, là, t'es prête à ça après là, ce pauvre boutin, mais tu voudrais sa ruine. Mais t'as plus de conscience. Ah, oh, puis assieds-toi, là, Thibaut, tu m'énerves. Oh, s'il fait patate quand je serai plus là, je ne l'aurais pas voulu. Dans le fond, j'y en veux pas. Mais j'y en voudrais encore bien moins s'il n'était pas mon mari. Mais c'est effrayant, ce que tu dis là. Doudou, veux-tu bien me dire comment ça se fait, là, que quand il s'agit du pauvre boutin, t'as plus une petite miette de cœur? C'est une bonne question, ça, parce que je m'en pose moi aussi. Comment ça se fait, là, que quand je vois un petit chat qui gèle dans la ruelle, puis qui braille, j'ai pitié de lui? Puis boutin, j'ai jamais pitié de lui, ça, Frida, jamais. Oh, c'est bien clair. Il est trop vieux pour toi. Tu peux pas l'aimer d'amour. Ouais. J'ai jamais connu ça, l'amour, moi, puis c'était pas lui qui était pour me le montrer. Hey, je te dis qu'il y a pas de danger que ça soit moi qui fasse flipper un beau docteur Lavergne. Quand j'y vois ensemble, Emma puis lui. Tu me dis pas? Emma Berthelette, ma petite coiffeuse? Eh oui. Fait cette fois que j'y vois ensemble au garage. Quand ils viennent, c'est à peine s'ils me voient. Ils se regardent dans les yeux, là, ils se parlent doucement, ils sourient. Voulez-vous bien me dire que c'est qu'elle a Emma que j'ai pas, moi? Ma pauvre chouette. C'est bien drôle à dire, hein? Et la petite Emma, elle a de l'éducation. Puis ça, c'est une chose que personne n'a réussi à te donner, hein? On va continuer à parler de toi. T'es toujours bien pas venue pour me dire que tu lâchais boutin. Mais c'est à peu près ça. J'aurais voulu te toffer plus longtemps pour monter mon compte de banque. Oh, ben tais-toi, petite malhonnête. Viens pas mêler l'argent à ça. Oh, ben vous le savez que c'est pas par amour que je vais marier Boutin. Je vous l'avais dit, puis j'y avais dit à lui aussi. À lui aussi, t'es sûre? Pas certain que je disais. Je disais que j'étais pas le genre esclave, puis que tout ce que je voulais, moi, c'était de faire une belle vie. Une belle vie, oh yeah. Comme ça, t'es sûre que jamais tu y as fait des accroires à Boutin? Jamais, au grand jamais, Sofrida. Puis il disait que ça y faisait rien à part de ça. Dans le fond, vous le savez que c'est qu'il voulait. Pour le reste, il faisait le sourd. Même que j'y avais dit que c'était juste comme qu'il dirait un échange. Il couchait avec moi, puis moi, je m'appelais Mame Boutin pour le temps que ça ferait.
Tu trouves pas que tu y faisais payer un peu cher ce que t'avais toujours donné pour rien? Oh ben les autres, c'était le fun au moins. Mm. Master, je suis bien plus sage, puis je vous dis que je vais attendre calmement le prochain qui va m'avoir. Tout à coup que je rencontrerai le grand amour, là, comme bien d'autres. Avant, moi, j'avais toujours vécu avec le père, fait que un homme pour moi, ben c'était comme le père. Master, j'ai quasiment oublié ça. J'aimerais ça rencontrer un beau grand gars, là, blond, avec des cheveux frisés, là, puis des beaux yeux doux. Puis une voix, là, comme celle d'un acteur. Puis qui me parlerait, là, comme il parle à ses enfants. Ma pauvre petite doudou. C'est-à-dire, Sofrida, c'était pas tout à fait ça que je voulais dire. Hein? Je voulais dire, on aime toujours ça quand quelqu'un nous parle comme on parle à un enfant. Hein? Tu viens de dire quelque chose, là, que je connais depuis bien longtemps. Mais cet amour-là, doudou, là, cet amour-là qui te pousse dans le cœur, j'ai bien peur que ce soit pas un amour facile. Ça sera peut-être à ton tour de souffrir de pas être aimé. Ben, Zone, là, il y a juste l'abbé puis lui qui m'a parlé comme il l'a fait un jour. Rien qu'une fois. Tiens, merci. Alors, je vais te remercier pour les belles fleurs que vous avez envoyées. Eh bien, moi. Lina ira voir ta femme demain. Ah bon? Je viens justement de la quitter, ma Sylvette. Elle est fraîche comme une rose, tu dirais jamais qu'elle vient de coucher. Puis je te dis que la petite Geneviève, elle y ressemble drôlement, hein? Ouais. Bon, ben, veux-tu bien me dire ce qui se passe, là? Tu voulais me voir ce soir, absolument? Oh, j'ai bien hésité, mais tu sais... Il faut que tu saches que c'est très dur pour moi au bureau. Comment ça? Qu'est-ce qui est dur? La situation. Un des comptes honnêtes, Boisvert, il est très arrogant avec moi. Ah, puis je sens que dans mon dos, on jase, on raconte des tas d'histoires. C'est-à-dire la vérité. Depuis quand t'as cette impression-là? Oh, ça fait un bon 15 jours. Ça a commencé un matin. Je demandais à Boisvert de retenir une équipe supplémentaire pour les deux jours suivants. Il m'a répondu de pas m'énerver, qu'il avait prévu la chose depuis longtemps. Ah, il t'a répondu dans ces termes-là? Ouais. Ah, sur le coup, je l'ai laissé partir. J'étais trop ahuri, tu comprends? Puis à la réflexion, là, je l'ai fait revenir. J'ai demandé depuis quand il prenait des initiatives avant d'en avoir reçu l'ordre. Je pense que je comprends, Boisvert. Pendant ton absence, il a en quelque sorte pris la place du directeur du personnel. Mmh. Boisvert, c'est un ambitieux. Il a dû se faire des illusions. Mais continue, qu'est-ce qu'il t'a répondu? Que pendant que j'étais en voyage d'études, puis il a insisté sur le mot études, mmh, qu'il en avait pris bien d'autres, puis que tout le monde s'en était bien trouvé. J'ai l'impression que Boisvert va m'en faire voir de toutes les couleurs. Ouais. C'est bien possible, Boisvert, c'est l'homme à ça. Non. Seulement toi, tu dois pas t'écouter puis tu dois pas te laisser abattre. Je verrai à ça personnellement. Oh, je suis peut-être mieux de laisser tomber le poste de directeur du personnel pour m'occuper uniquement de production. Non, 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 non. Ça, Germain, il n'y en a absolument pas question. Les deux postes sont connexes et se complètent. Puis toi, en abdicant, tu ferais l'affaire de ceux qui te mettent des bâtons dans les roues. Ça sera en quelque sorte un aveu qu'il faut pas que tu fasses à aucun prix. Laisse-moi ça entre les mains, je vais le voir. Toi, continue de le traiter avec beaucoup de justice, mais aussi beaucoup de froideur. Fais en sorte qu'il se sente insécure, lui aussi, à son tour. Tout ça, tu sais, je le prendrais facilement si je me servais pour coupable. Tu comprends bien qu'à mon âge, avec l'expérience que j'en ai vu d'autres que Boisvert. Dans les circonstances, je me sens écrasé. En état d'infériorité, je peux quoi dire? Je sais même pas comment il parlait à ce type-là. Alors, je pense que j'ai perdu mon autorité pour deux jours. Germain, pas de ça. Tu vas essayer de retrouver la maîtrise de toi. Moi, je peux pas me passer à toi au moment où la compagnie marche à plein rendement. Tu vas pas t'écouter, puis tu vas pas flancher. Ça va? Moi, oui, c'est bien. Le même matin, on va commencer à faire la tournée des ateliers ensemble. Puis le premier qui louche de travers en te regardant, ben moi, je le fous dehors. Merci. Il faut dire aussi que c'est la société qui est responsable en partie de tant de délinquance. Pourtant, il me semble qu'on n'a jamais été aussi socialisé. La masse y trouve davantage son compte qu'autrefois. Oui, mais les écarts restent les mêmes entre les couches de la société. Ben justement, nous n'avons plus de vrais pauvres, sans aucun recours, et, ni de quêteux aux portes. Mais nous avons des gens aux moyens extrêmement réduits devant une inflation qui est loin d'être matée. Et l'offre de consommer à tout rompre, avec la publicité, ce que les uns possèdent, les autres le veulent. Et tous les moyens sont bons pour arriver à se procurer ce qu'on désire. Et Montréal devenant une ville à l'instar des plus grandes, devient aussi une jungle où le crime s'amplifie de jour en jour sans qu'aucune police ne puisse vraiment l'enrayer. Et c'est souvent pour nous une véritable frustration.
C'est vrai, tout ça. Moi, quand j'avais 14 ans, je suis rentré dans une gang. C'est à ce moment-là que j'ai plus reçu de coups, mais que je me suis mis à en donner. L'argent qu'on m'avait volé, je le prenais aux autres, les petits et les faibles. Je voulais pas me poser de questions. Je me disais, c'est moi le plus fort, puis c'est ça qu'il faut. C'est terrible. Ah. En quelque sorte, la violence est inhérente à notre société. Elle est instituée à tous les niveaux, que ce soit violence physique ou morale. La violence. On y est tellement habitué que j'ai jamais pensé qu'Alphonse avait pas un vrai revolver tout à l'heure. J'étais pas du tout rassuré quand je vous ai téléphoné, monsieur. Je me demandais ce que vous feriez quand je vous demanderais 25 000 piastres. Tu peux regarder, les billets sont là. La rançon était prête. Papa. Vous alliez vraiment faire porter 25 000 piastres à Alphonse? Non, mais le docteur avait l'argent moins d'une heure après votre appel, Bertrand. J'ai jamais pensé que je valais si cher. Merci, monsieur. Vois-tu, c'était la première fois que j'avais vraiment la satisfaction d'avoir de l'argent. Merci encore. Excusez-moi. Allô? Ah oui, 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 un instant. C'est pour vous, capitaine. Excusez-moi, je me suis permis de donner votre numéro. C'est très bien, je vous en prie. Merci. Allô? Oui. Ah? Oui. C'est parfait. Parfait. Je te remercie de ce que tu fais pour mon fils. Je sais maintenant que Bertrand n'est plus tout seul. Je pense que vous pouvez vous entendre tous les deux. Oui. Alors, merci. Bonsoir. Eh bien, ça y est, on a arrêté les deux autres garçons à Charlemagne. L'auto était volée, naturellement. Je serais peut-être avec eux autres, moi, si j'avais pas rencontré Flagos. Ah, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Flagos, c'est quelqu'un. J'approuve complètement, capitaine.